Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On continue ensemble l'album photo Paris, je t'aime. Ah, la vie au Paris. Non, je rigole. Oui, j'aime Paris, mais pas plus que notre ville, je dirais. Bref, du coup, on va faire ensemble une page. Elle n'est pas de moi, cette page. Mais alors, pas du tout. Et je ne compte même pas la modifier. Là, j'ai entendu tous les ouh. Mais j'ai trouvé très très sympathique. Je vais vous donner le nom de la personne sur laquelle la chaîne je l'ai trouvée. C'est la chaîne Los Colores del Scrap. Je vous ai déjà parlé d'elle, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et on va reproduire la même chose. Alors je sais pas si je vais faire 3 ou 4, on verra bien. D'accord? Vous me suivez? Suivez-moi. On va déjà prendre un papier décoratif pour pouvoir prendre là. Donc je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire, à ce que je vais prendre, à ce que je vais mettre. J'arrête. On cherche. On cherche, on cherche, on cherche. Il aurait fallu soit un papier. Ça, Maric, ne garde l'autre côté. Celui-là, je vais mettre de côté aussi parce que j'en aurais bien besoin pour mon livret. En fait, le sous-sail, c'est que je voudrais pas gâcher un beau dessin non plus. Moi, je vais mettre lui. Let's go. Let's go, on met lui. Allez, hop, c'est parti. C'est parti. Donc, je vous explique. Cette page, elle va aller ici. Et il va vous falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai fait 6. Alors, je ne sais pas si on va l'utiliser 5 ou 6, mais j'en ai fait 6 au cas où. 6 feuilles de 17 par 10,5 avec un pli de 1 cm. D'accord ? On marque nos plis à tous et on les biseute. Oui, c'est pas grave. On les biseute. Ah, je vais peut-être modifier un petit poil. Mais alors, ça va se voir à peine. Là, et enfin ici. Alors, hop là, on en prend 4 et on en met 2 de côté. Il y en a 2 qui vont venir ici. Alors, je pense que je vais peut-être les décaler comme ça. Ça va être à voir. On en reparle après. D'accord? Bon, ici on va venir ancrer. Voilà. Ici. Ok. Bon. On en a 4. Et en fait, on va venir. Alors, je vais partir du bas et remonter vers le haut. Hop là, ici. Donc, on va faire une cascade qu'on va venir couper dedans. D'accord. Et j'ai mis du 17. Donc, avec un pli, ça fait 16. Comme ça, on fait ici. Et quand je viens mettre l'autre, on ne verra pas du tout la photo. D'accord. Bon. Alors, je pousse ça et je viens, alors, ici à peu près droite. Hop là. Alors, je vais faire la première, je vais faire un trou et les autres, je ferai pas de trou. D'accord? Bon. Juste la première, c'est pour pas que ça se voie en dessous. Là.
Là. Je vais venir mettre du double face bleu. Et on va venir le mettre à l'intérieur ici. Hop là. Là, c'est ça que je veux. Ah! Et là. Voilà, donc là, c'est le premier, comme ça, on ne le voit pas. Mais les autres, ah, j'aurais pas dû les biseauter, du coup. Bon, bah c'est pas grave, on va venir quand même. Là. Là. Hop là. Ah oui, je me suis pincé le doigt. Le deuxième. J'aurais pas dû en fait biseauter, tout simplement. Là. Ici. Là, et je vais prendre juste ça vite fait. Il faut juste que je le continue un tout petit poil parce que sinon il va pas être bien droit. Voilà. Hop là. Un troisième. Par contre, les quatrièmes, ça va être trop juste. Donc, on va en faire que trois. Là. Non, tu vas remettre, tu le mets d'abord dans Maric. Là et là. Allez, allez. Et ici, hop là. Hop là. Du coup, on rentre à l'intérieur. Idem, idem. Là, et je vais reprendre mon gros double face, ici.
Hop. Là. Hop là. Ici. Et du coup, hop là, on reprend là. Ici. Donc, ça va venir juste là. Et on va venir prendre ces deux-là pour en mettre. Du coup, j'en mettrai bien. Non. De toute façon, je veux faire en continuité. Donc, un ici. Et l'autre un peu plus haut. Voilà. Et un ici. Je retire là et je colle les deux. Ici. Pareil, de l'autre côté. Hop. Excusez-moi. Là. Là. Et je vais venir le coller ici. Donc, ah mince, mon double face, c'est pas... Voilà, c'est mal à Mike. C'est pas trop trop grave non plus. Hop là, et... Ok. Pas là où il y a le double face, ça ne sert à rien. Mais partout à côté. Hop, ici. On va venir mettre des espaces photos. Moi, pour le reste, je vous prends en musique, en fait. Allez, let's go, musique. Ce que donne cette page. Alors
Encore une fois, au niveau des papiers couchés, il n'y a pas grand-chose. Donc j'ai mis comme ça, elle va aller parfaitement avec celle-ci. Hein, nickel. Donc voilà un petit peu ce que ça donne pour le moment. Donc j'aimerais que j'aurais pu décaler un petit peu parce que du coup ça va être... Oh, ça risque pas d'être tassé. Oh non, impeccable, ça va être impeccable. Donc voilà un peu ce que ça donne. J'espère que cette page, donc oui, je vous ai pas ouvert, là, il reste ici, mais je vais voir certainement, je mettrai celui-ci, ou alors peut-être les chutes de ça, je sais pas encore. Et hop, du coup, les photos, ici, voilà, et j'en ai oublié un, ici, voilà, hop là, on va le mettre ensemble, ça faisait ça, là, voilà, voilà, Marie, tu en as oublié, hein, voilà. C'est malin. Alors, je verrai peut-être que je rajouterai à certains endroits, et j'ai bien dit peut-être, après c'est à vous de voir, vous pourrez toujours le faire. Il y a beaucoup de choses à découper sur le A4. D'ailleurs, pour ici, c'est ce que j'ai pris. J'ai pris le A4. Hop là. Toi, tu viens là. Du coup, c'est plus dans la continuité, mais c'est pas grave. Il y a beaucoup de choses à découper, donc pourquoi pas avoir peut-être que je viendrai mettre... je sais pas, peut-être plus ici un truc là comme ça, et je pourrais toujours mettre un livret ici, ce qui fait que là si je fais là hop là, et là ce sera toujours caché. Voilà le système de je cache, pas de livret, pardon, j'ai dit que je faisais pas de livret, j'ai dit que je faisais des tags. Bon, voilà, bref, on en est un petit peu là de cet album photo. Moi je vais vous laisser pour aujourd'hui et on se retrouve très très vite pour la suite du tuto, bien sûr. Je vais y arriver à parler, je vous promets. C'est juste la fatigue. Allez, bisous.